Ça y est, le mois de décembre est arrivé et je peux officiellement commencer à penser à préparer Noël. Cette année, Noël m'inspire encore plus que d'habitude et j'ai envie de changer la décoration de mon sapin. Cela doit faire 8 ans que je décore mon sapin avec les mêmes décorations, dendettes en bronze et bois. J'ai toujours aimé cette décoration, mais cette année j'avais envie de me lancer dans des couleurs plus traditionnelles, mais sans pour autant investir dans des décorations neuves. Donc cette année, je réalise mes décorations moi-même. Je me suis amusée à coudre plusieurs décorations de différentes formes, des cœurs brodés, des étoiles et des petits chevaux à bascule que j'avais vus sur Pinterest et qui m'inspiraient énormément. J'ai donc vidé mes tiroirs de chutes de tissu dans les couleurs de Noël et j'ai commencé par réaliser des petits cœurs. J'ai recopié mon patron sur le tissu avec un bic effaçable. Je me suis amusée à faire des broderies sur une face du cœur et ensuite j'ai posé le tissu endroit contre endroit et j'ai cousu les cœurs en suivant le tracé du patron et en veillant à laisser une petite ouverture. J'ai coupé les marges de couture du tissu et j'ai retourné le cœur. Je l'ai ensuite rempli avec de la mousse avant de le refermer avec une petite couture à la main. Et j'ai terminé en ajoutant un petit ruban pour pouvoir l'attacher au sapin et un bouton pour le rendre encore plus joli. Pour les petits chevaux, j'ai utilisé un patron que j'ai pu trouver sur la chaîne de Olesia and House. Et le principe est le même que pour le cœur, j'ai cousu les petits chevaux endroit contre endroit en veillant à laisser une ouverture pour le retourner et mettre la mousse à l'intérieur. J'ai fait pareil pour la partie bascule et j'ai ensuite cousu les deux parties ensemble avec un point à la main.
J'ai finalement ajouté un petit fil de broderie pour pouvoir l'attacher au sapin, et c'est terminé. Ensuite, il n'y a plus qu'à varier les formes selon vos envies. Pour la deuxième partie de cette vidéo, j'avais envie de réaliser des chaussettes de Noël. Donc là aussi, j'ai utilisé des chutes de tissu que j'avais en stock et une chaussette de Noël que j'avais déjà pour le patron. J'ai ajouté 1 cm pour la marge de couture et j'ai coupé la forme de ma chaussette 2 fois dans mon tissu principal et 2 fois dans la doublure. Je les ai ensuite assemblés endroit contre endroit. J'ai uniquement retourné sur l'endroit la chaussette principale. J'ai ensuite inséré la doublure à l'intérieur de la chaussette principale pour avoir les deux côtés envers contre envers. J'ai préparé la bande de finition en coupant un rectangle de la même longueur que la circonférence de la chaussette. Et j'ai ensuite cousu les deux bords endroit contre endroit pour former un cercle. J'ai replié le cercle envers contre envers pour avoir une jolie finition et je l'ai inséré dans la chaussette et cousu avant de le replier par-dessus la chaussette pour le terminer joliment. J'ai ensuite cousu à la main un petit ruban pour pouvoir l'attacher et c'est terminé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de réaliser quelques décorations vous-même si ce n'est pas déjà le cas. Et d'ailleurs, si vous faites vos décos vous-même, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire car je trouve que c'est toujours inspirant d'échanger sur nos différentes créations. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées pour Noël et en attendant, je vous fais une tonne de bisous.